Au prof de terminale, ce qui est vraiment, ce à quoi les élèves ont du mal et ce vraiment pourquoi s'entraîner, c'est les mécanismes réactionnels. En terminale, les mécanismes réactionnels sont toujours donnés. Donc vous avez les étapes, d'accord? Vous avez les réactifs, vous avez les produits. Et donc il va falloir trouver comment est-ce qu'on passe de là à là. Et donc pour ça, il va falloir dessiner les fameuses flèches. Vous vous rappelez? Une flèche, ça part d'un doublet. Et ça va là où le doublet va. Donc vous rappelez, une flèche comme ça, c'est quand il y a un doublet qui part. Une flèche avec un harpon, c'est quand il n'y a qu'un seul électron. 99% du temps en terminale, comme c'est un doublet qui. Enfin, le doublet se déplace entièrement, la paire d'électrons se déplace tout seul. Tous les deux plutôt, pas tout seul. D'accord? En terminale, les électrons sont encore amoureux, donc voilà, ce sera quasiment toujours une flèche double. Si vraiment il y a une flèche simple, ils vous diront, enfin, je pense que ça y arrivera jamais. Donc ce sera des flèches doubles. D'accord? Donc on va regarder comment faire. On va se faire, on va se faire des exemples. Un bon paquet d'exemples pour que vous voyez comment faire. Alors, la première chose à voir, c'est de regarder ce qui est à gauche, ce qui est à droite. Là, on voit qu'on a deux réactifs et un produit. Il va au moins y avoir formation d'une liaison. Donc, on va regarder la liaison qui est formée. Donc, ici, on a ça, ici, on a ça. Ici, on voit que le carbone, il est lié à trois atomes. Or, là, il est lié à quatre. Donc, le carbone va être impliqué dans la liaison. Ici, on voit qu'il est lié à un, deux, trois oxygènes et un R. Ici, un R et deux oxygènes. Bah, donc, ça va se faire avec cet oxygène-là. Il va y avoir une liaison entre ce carbone et cet oxygène-là. La question, c'est quel doublet va faire la liaison? Ça peut être celui-là, parce qu'il y en a deux là. Ça peut être un de ces trois-là. Eh bien, on voit que celui-là, il est moins. Donc, il aimerait avoir du plus. Donc, en fait, ça va être celui-là qui va attaquer. Donc, on part du doublet qui attaque, celui-là, et on va jusqu'au carbone. En faisant ça, on voit que si juste j'accroche ce doublet-là ici, eh bien, je vais avoir une double liaison. La double liaison, elle est encore présente. Or, quand je regarde mon produit, il n'y a pas de double liaison sur le carbone. Sur le carbone, il y a juste quatre liaisons simples. En plus, le problème, c'est qu'il y a cinq pattes à mon carbone. Un carbone à cinq pattes, c'est pas possible. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que ce doublet-là, il va partir. Il va partir pour aller où? Mais quand on regarde, on voit que ici, cet oxygène, qui est celui-là, mais là, il a deux doublets non liants et là, il en a trois. Donc, tout simplement, ce doublet, pardon, qui était liant, s'est mis sur l'oxygène pour devenir non liant. Du coup, l'oxygène est chargé moins. On vérifie, c'est bon, là, il y en a une charge moins, là, on a une charge moins, c'est bien respecté, c'est bon. Donc voilà, ici, on va voir ces deux flèches-là. Je t'ai pas posé des questions, hein, si c'est pas clair. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape. Mais ici, regardez, on a un réactif, deux produits. Donc là, ça va être l'inverse en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on va avoir juste le principal chose qui va se passer, c'est qu'il y a une liaison qui va être détruite. Si on regarde, on voit que le carbone ici, il y a trois atomes, là il y a quatre, donc il y en a un qui va partir. Lequel va partir? Si on regarde, on voit que c'est ça. Ici, c'est ça. Ce haut-là, il a trois doublets. Donc, ce doublet-là va se mettre sur le haut pour devenir non liant. Et on va avoir le même problème que tout à l'heure. Si on fait ça, ben mon carbone, il n'y aura que trois doublets. Alors là, il en a quatre. Donc en fait, il y a ce doublet-là qui revient pour faire la double liaison. On regarde, on obtient bien la même chose à gauche et à droite. Il descend, ça fait une double liaison. Celui-là, il s'en va, il est là. Trois doublets non liants sur l'eau. C'est bon. Troisième étape, réaction acido-basique. Donc là, il y en a deux à gauche. Oups. Il y en a deux à gauche, deux à droite. Donc là, on va être sur une liaison qui change. D'accord? Donc sûrement, il va y avoir deux flèches, une qui forme et une qui détruit. Alors, on va regarder. Toute cette partie-là, elle se retrouve là, donc on ne va pas y toucher. Donc ça va se jouer là
Voilà. Alors on voit bien que ce doublet-là, maintenant il est ici. Donc bah, la flèche, on va la mettre, clac, comme ça. Et l'autre chose qui change, c'est qu'ici on a au moins, ici on a OH. Donc ce doublet-là, qui était non liant, va devenir liant ici, liant avec H. Donc il va attaquer le H, d'accord? Part toujours du doublet. Pour l'exercice d'après. Donc vous voyez, c'est toujours, ça va être toujours la même chose, le même principe, mais on va le faire sur plein d'exemples pour que vous puissiez voir. Donc là, on a la phénylalanine qu'on va représenter comme ça, qui est ici. Représenter sur copie la formule simplifiée de la molécule obtenue à l'issue de la première étape. La première étape de quoi? Ah oui, la première étape du mécanisme, c'est ça. Localiser l'atome accepteur de doublet d'électrons dans la liaison CO. Ok, on va laisser tomber cette formule parce qu'elle est liée à l'ancien programme et maintenant dans le bac, enfin, maintenant on fait ça post-bac et c'est pas le vocabulaire post-bac. Donc, si vous voulez voir la partie post-bac, elle est dans le manuel post-bac. On va voir qu'on parle de site nucléophile et de site électrophile. Alors, flèche courbe. Ça, on va y aller pour les flèches. Alors, on regarde, ici on en a deux, ici on en a une. Donc, il va y avoir formation d'une liaison. Cette liaison, elle a lieu ici. Donc, ça va être. Mais il n'a plus qu'un doublet. Donc, ce doublet-là va attaquer bah, le H. Et donc, la flèche, elle est super simple. Hop. Le doublet non liant de l'oxygène attaque le H. Donc, on voit, si vous voulez parler de donneur et d'accepteur d'électrons, on voit que celui-là est donneur d'électrons. C'est lui qui donne. Celui-là est accepteur parce que c'est sur lui qu'arrive la flèche. Voilà. Alors, l'ammoniac est une base, on en est là. NH3 plus H+, donne NH4+. Allons-y, on va l'écrire. Donc, NH3, on se rappelle de sa formule de Lewis. Plus H+. Alors, moi, je prends l'habitude de dessiner les lacunes. On sait qu'il y a une attaque qui peut avoir lieu ici. Donne NH4+. C'est l'azote qui est plus. D'accord? Donc, lire copier cette, voilà, cette, ce mécanisme-là, vous voyez pas. Mais voilà. NH4, voilà, on va faire comme ça pour que vous puissiez voir. NH3 plus H+, donne NH4+. Hop, et maintenant il ne reste plus qu'à mettre la flèche. Là, toujours pareil, là c'est facile, comme on crée une liaison. La seule doublet non liant qui peut créer une liaison, c'est celui-là, et sur le droit épaulé, c'est là. Donc la flèche, elle est. Alors, attends, je vais la mettre dans ce sens-là, comme ça elle va aller sur la lacune. Et puis voilà, donc vous voyez, c'est pas compliqué, ça c'est vraiment un cas super simple. Donc celui-là, clac, 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 on ne le fait pas. On y va pour celui d'après. On continue. Donc ici on en a deux, ici on en a un. Il y a formation d'une liaison. La liaison, elle est entre le H et on voit que c'est ce O-là qui a gagné une liaison H. Donc du coup, ça va être un des doublets non liants de l'oxygène. Hop, qui va beaucoup trop loin, qui va sur le H+. Je vais faire une jolie flèche. Voilà, tout simplement. Étape 2, on a deux molécules. On n'en a plus qu'une. Il va y avoir pareil, création d'une liaison. La liaison, elle a entre quoi et quoi? On est entre le carbone, qui est celui-là, et cet oxygène, qui est celui-là. Vous voyez que cet oxygène, c'est celui-là, il est lié à O, à R, enfin, il est lié à H, à R, il est lié à H, à R. Donc, bah, toujours pareil, on part du doublet non liant, hop, et on va attaquer le carbone. Sauf que le carbone, ça commence ici, vous vous rappelez, c'est toujours enfin, des choses qu'on a déjà vues. Ici, il a une double liaison, une liaison, une liaison. Il y a déjà quatre pattes. On lui rajoute une cinquième patte, il ne peut pas. Du coup, ce qui va se passer, c'est que cette doublée-là va venir sur le haut. Et du coup, on va bien retrouver ça. D'accord? Deux doublets non liants sur le haut. Ok? On continue. Étape 3. Bon ben là, on a une molécule à gauche, une molécule à droite. Donc on a une liaison qui va se faire, une liaison qui va se détruire. Alors commençons par celle qui va se faire. Non, commençons par celle qui va se détruire, parce que comme ça nous permet d'où ça part.
Ben là, regardez. Ici, c'est devenu OR. Donc, ça va rester. En revanche, ce doublet-là, il va devenir non liant. Clouc. Et du coup, ici, on avait deux doublets. Ici, on n'en a plus qu'un. Donc, le doublet qui est là va attaquer ce H-là. Continue. Ici, on en a une. Ici, on en a deux. Donc, il va y avoir rupture de liaison. Laquelle liaison se casse? Ici, on a H2O qu'on a là. Donc, ça va être cette liaison-là qui va se casser. Donc, hop, elle va venir sur l'eau. En revanche, si on regarde, on voit que le carbone, il a récupéré sa double liaison. D'où elle peut venir sa double liaison? OR, ça n'a pas bougé. CH3, ça n'a pas bougé. Donc, elle vient de là. Donc, ce doublet-là revient ici. Dernière étape. Je vous montre parce que vous voyez ma tête, mais c'est plus H+. Donc, il y a rupture de liaison. Parce qu'on a une molécule à gauche, deux à droite. Et donc, ce qui va se casser, ben, c'est cette liaison-là. Hop, ce doublet liant devient non liant. Et on obtient bien cela. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble un vrai mécanisme avec des flèches un petit peu partout. Ce qu'il faut voir dans le nouveau programme, c'est que vous devez être capable d'écrire l'équation de la réaction. Je me suis fait de l'espace. On va regarder donc l'équation de réaction. Alors, si on part de ça, c'est que il faut qu'on regarde. Donc, on part de ça. Et on arrive à ça. D'accord? Ce qu'il faut voir, c'est que le H plus, il est présent à la fin et il est présent, enfin, il est présent au début. Et je vous montre, et il est présent à la fin. Donc, comme il est présent au début et à la fin, c'est donc un catalyseur. Donc, on ne va pas l'écrire dans l'expression de la réaction, et on va mettre catalyseur H plus. C'est ce qu'on appelle une estérification. Ce qu'on vous dit, hein, c'est le nom de cette réaction, ça s'appelle une estérification. C'est une estérification en catalyse acide. Bon, celui-là, il est au début, mais à aucun moment il est à droite. Cet acide. Donc, à aucun moment il est à droite, c'est un réactif, donc acide éthanoïque. Dans les produits. Alors, est-ce qu'il y a une double flèche ou une simple flèche? Il faut regarder dans le mécanisme réactionnel. S'il n'y a que des doubles flèches, à la fin, il y a une double flèche. Si à un moment, il y a une simple flèche, une réaction totale, bah, à la fin, il y a une simple flèche. Il suffit qu'il y en ait une pour qu'on puisse pas revenir en arrière. Donc là, il n'y a que des doubles flèches. Donc on en met une. En plus, normalement, on sait que l'estérification est liée à un équilibre chimique. Ce n'est pas une réaction totale. Puisque sinon, on n'aurait pas besoin de s'embêter, par exemple, avec un Diene-Stark. Donc, inversement, celui-là, il est à la fin et on voit qu'il n'est jamais au début. Donc, bah, ça va être un produit. Alors, est-ce qu'il y a, manifestement, il va y avoir d'autres produits, d'autres réactifs parce que là, vous voyez que ce n'est pas équilibré comme équation. Donc, on va les regarder. Ici, vous voyez, on rajoute ça et on ne le retrouve jamais à droite. Donc, si on rajoute ça, c'est que c'est un autre produit. Donc, un alcool. Et inversement, ici, on perd H2O et on n'a jamais mis H2O. Donc, plus H2O. On vérifie que ce soit équilibré. CH3, tout ça, on le retrouve bien ici. OH plus H, H2O, OR, OR. Voilà. Donc, c'est équilibré. Donc voilà l'équation de réaction. C'est typiquement le genre de choses qu'on peut vous demander, identifier les catalyseurs et les équations de réaction.